Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose un petit test du kit OFC Colibri que je me suis offert récemment. Et donc, kit qui est destiné au cadenas. Donc, on commence par un master 4 goupilles sans AC. Donc ces petits pics sont très sympas, hein. Ils sont fabriqués sur la même base que les pics Le Corbeau. Ils ont la même taille, sauf que pour la même dimension, on a deux outils, quoi. Deux outils par pic, le kit se compose de... Par exemple, Corbeau, tiens, d'ailleurs, il y en a un. Donc la même taille que les corbeaux, le manche bon, bien sûr est différent. Par contre l'épaisseur est la même, il n'y a que la largeur de la partie utile qui est un peu plus fine. Hein. Bon, la prise en main est sympa, il n'y a pas de problème. Bon là on poursuit avec un atlas. Atlas 45, 40, pardon. Atlas 40, bon, 5 goupilles avec des petites AC, mais rien de rédhibitoire. Ah, donc, pour revenir à ce kit, il est donc spécial cadenas, mais on peut s'en servir aussi sur les serrures. Hein. J'ai ouvert ma 6 ASP avec ce pic là, ça va bien aussi. Hein. Bon, peut-être pas pour les goupilles du fond parce que c'est un peu court, mais on peut le faire quand même. Hein. Voilà, donc on passe à un American Lock, série 1100. Bon, pas de grosses difficultés. Hein. À partir du moment où l'entraînement est léger, ça se met bien en place. Donc je suis pas persuadé que ce soit un kit idéal pour les débutants, hein, parce que la prise en main est quand même assez spécifique. C'est-à-dire que là, avec ça, pour brouiner, c'est un peu plus dur. Hein. On n'a pas beaucoup de... Vu la taille, il n'y a pas trop de prise. Mais celui qui veut prendre les bonnes résolutions dès le début et de ne pas trop appuyer sur les pics, ça peut être un bon choix également. Hein. Donc par contre, ceux qui sont déjà équipés en corbeau dernière génération, à part l'encombrement, hein, puisque avec la place de 3 pics, vous en avez 6, il n'y a pas trop d'intérêt, hein, puisque les corbeaux classiques rentrent dans les cadenas, même petits. Donc là, on enchaîne avec un Yel. Bon, celui-là il est chiant, hein. De toute façon, même avec les corbeaux, il m'emmerde. Mais vous voyez qu'on peut quand même, sur ces petits pics, là, on peut quand même leur en mettre dans la gueule, ça plie pas. Hein. L'acier est très bon, hein. Je pense que ça va être le même que sur les corbeaux. Mais comme la partie utile est plus courte, ils sont plus rigides. Donc, a priori, je dirais qu'ils sont aussi costauds, peut-être même plus. Hein. En tout cas, on peut appuyer dessus, il n'y a pas de problème. Bon, d'ailleurs, là, j'appuie peut-être un peu trop, mais... Ce Yel m'emmerde. Voilà, que dire de plus sur ces pics. Ils sont pas utilisables tels quels, hein. Dès qu'ils arrivent, il faut leur mettre un coup de papier de verre. Hein. Parce qu'ils sont quand même assez râpeux, bruts de décoffrage, je dirais. Et donc, moi j'ai passé papier de verre grain 600, et après paille de fer triple zéro. Voilà. Bon, et après, ils sont bien. Hein. Effectivement, au départ, si vous ne faites pas ça, ça glisse pas. Voilà, bon, le Yel, je vais l'avoir, hein, mais ça prend un peu de temps.
Les bobines sont assez chiantes à passer et si on relâche pas bien, ça passe pas bien. Voilà donc petit kit sympa, hein. Je regrette pas mon achat pour 20 euros. Pour 20 euros, il regroupe tous les pics que je me sers habituellement. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, ça c'est fait. Bon, pour terminer, un petit abus, histoire de vous montrer que ça rentre dedans. Hein. Mais comme je disais, les corbeaux classiques rentrent aussi. Hein. Donc, voilà. Pour l'incurver, ça rentre mieux et celui-là ne devrait pas poser de problème.